Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog avec des tout petits yeux parce que on a pas mal dormi mais on est quand même fatigué. On est rentré hyper tard, tôt ce matin, de boîte comme on vous l'a montré dans le vlog d'hier. Ma maman est partie se balader avec Mila, on va essayer de la récupérer, de récupérer Mila là où est ma maman parce qu'on va aller faire un petit tour. Et on va aller se manger quelque chose après, donc voilà, on va récupérer Mila. On a récupéré baby Mila, coucou mon amour. Coucou. On y va mon chat, on y va, on va aller faire un tour. Mamie l'a habillée n'importe comment. Mamie ne l'a pas coiffée non plus. Je l'ai récupérée chez ma marraine en fait, ma maman était chez ma marraine, chez sa soeur. À côté de Mons. À côté de Mons. Du coup, on est en région de Mons là. On s'est arrêté dans un parc à Mons. Allez, des Beatles. Dans lequel je venais courir quand j'étais beaucoup plus jeune parce que j'allais à l'école. L'école qu'on voit plus là, mais qui est juste derrière. Qui s'appelle Saint-Luc-Mons. Et voilà, on fait un petit tour parce qu'il fait méga bon aujourd'hui, c'est un truc de fou, je sais pas combien de degrés il fait mais il fait très très bon. 20. Il est 19h, on vient d'arriver dans un petit resto, on va de temps en temps, c'est le bureau à Maubeuge. On va se manger un Welsh à mon avis, et Mila était en train de dormir. Oui, j'ai vraiment une petite tête là, une petite mine, mais je suis fatiguée. Je ne l'ai pas récupérée, il va me falloir une semaine pour récupérer, j'ai plus 20 ans. Bla bla bla. Ça va mon chouki? Ah ben mon chouki dort encore. Oh là là. Yeah. Yeah. On met la veste? Faut pas te tirer. T'as les jambes en coton. Mila a été gâtée, comme d'habitude, quand elle va au resto ou quoi. Elle a reçu des lunettes Perrier, des crayons, quelque chose pour dessiner, des stickers. Sur le thème de l'Angleterre. On vient de rentrer. Mila s'est foutue de la mayonnaise plein les cheveux. Mais elle a les cheveux, mais vraiment dans un état catastrophique. Regardez-moi ça. On dirait qu'on lui a pas lavé les cheveux depuis 6 mois. Bon, du coup, je vais aller la laver. Et en plus de ça, aujourd'hui, c'est la pleine lune. Qui dit pleine lune dit coupage de cheveux. Donc, Alex va me couper les pointes de mes cheveux et va couper les pointes parce que j'ai plus confiance à Alex que moi pour ça. Je sais pas pourquoi. Des cheveux de Mila, donc vraiment rien du tout. Mais pour dire que ça pousse bien. On verra bien. C'est des légendes, mais bon, j'y crois un petit peu. Thank you.
Bon voilà, j'ai coupé, on a coupé un peu les pointes. C'est pas la folie parce que j'ai les pointes abîmées, mais on a quand même enlevé un petit peu, je vous montre. Donc voilà, moi on a coupé ça et Mila on a coupé Mila on a coupé ça par contre, on n'a pas coupé grand chose. Il est minuit, tout le monde est couché sauf moi. Comme d'hab, la seule qui traîne. Je suis en train de checker un petit peu mes messages sur YouTube, etc. J'ai fait mes mails, mais je suis toujours en retard moi dans les réponses pour mes mails, c'est un truc de malade. D'ailleurs, il y a certaines personnes, des abonnés qui m'envoient des mails, c'est même pas la peine. C'est pas que je veux pas répondre, je suis déjà en retard dans les demandes professionnelles, on va dire. Alors du coup, vous répondre par mail, ça va être juste pas possible. Je suis vraiment en retard de plusieurs semaines en fait dans mes réponses de mails. Et donc voilà. Du coup, moi je vais vous laisser maintenant. C'était un mini vlog aujourd'hui, étant donné qu'on s'est levé hyper tard à cause de la soirée d'hier. Vous vous rendez bien compte, on est rentré genre à 8h du mat, le temps de se débarbouiller, d'aller se coucher, etc. Et il était 9h. Donc on pouvait pas se lever à 10h quoi, c'était pas possible. Du coup, mini vlog, mais on se rattrapera demain. Je vous fais des bisous, à demain.